deuxième dimanche de Pâques, dimanche in albis et dimanche de la miséricorde, et aussi dimanche de Saint Thomas. Alors, c'est 8 jours après Pâques, et les disciples sont réunis à Jérusalem. Bien que la résurrection se soit passée il y a déjà 8 jours, ils sont, c'est le soir, ils sont dans le noir, les portes sont fermées et ils ont peur. Et voilà que Jésus, avec son corps ressuscité, va leur apparaître d'une manière miraculeuse, va se trouver au milieu d'eux, parce qu'ils sont dans la nuit et Jésus va leur rappeler qu'il est leur lumière. Les portes sont fermées, Jésus va leur rappeler qu'avec eux on peut vivre les portes ouvertes. Et ils ont peur et Jésus leur rappelle qu'avec lui on n'a pas à avoir peur. Alors Jésus, la lumière du monde, hein, nous le savons, c'était déjà annoncé d'une manière très belle dans le prophète Isaïe au chapitre 60 au premier verset. « Debout Jérusalem resplendit, elle est venue ta lumière ». Jésus ressuscité, c'est la lumière de Jérusalem qui est venue rejoindre les disciples. Deuxièmement, les portes sont verrouillées. Or, toujours dans ce même chapitre 60 d'Isaïe, il est dit « On tiendra toujours tes portes ouvertes, elles ne seront jamais fermées, ni de jour, ni de nuit. Le Seigneur est notre protection. » Pas besoin de fermer les portes quand il est là. Et non plus, quand le Seigneur est là, il ne convient pas d'avoir peur. Or, eux étaient dans la peur. Le contraire des ténèbres, on va dire des portes fermées et de la peur, c'est la paix que Jésus vient leur apporter. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Alors la paix, en hébreu le « shalom », ça recouvre bien plus de choses que le mot « paix » chez nous. Le « shalom », ça veut dire ce qui est complet, achevé, rempli, ça veut dire le bonheur, ça peut vouloir dire aussi l'amitié, ça peut vouloir dire aussi le bien-être. C'est-à-dire la plénitude, on va dire, du bonheur. C'est ça la paix, le shalom. Et c'est ce que Jésus vient apporter. Chaque fois que Jésus vient, la paix soit avec vous. Hein, le shalom. Je vous donne un exemple d'une autre interprétation, en fait, d'une autre traduction du mot paix. Au livre de la Genèse, au chapitre 28, au verset 21, voilà ce que dit Jacob juste après le songe et son départ de Bethel. « Si Dieu est avec moi, s'il me garde sur le chemin où je marche, s'il me donne du pain pour manger et des vêtements pour me couvrir, et si je reviens sain et sauf à la maison de mon père, le Seigneur sera mon Dieu. » Sain et sauf, c'est en paix, voyez, c'est le mot paix ici, sain et sauf. Et pour dire à quelqu'un en hébreu « Comment tu vas ?», on lui dit « Mashlomer » ou « Mashlomra ». Comment va ta paix, quoi ? Comment va ton bonheur ? Vous voyez, c'est ça, le mot « shalom » en hébreu. Donc, Jésus leur dit « La paix soit avec vous ». Et puis, il leur montre ses mains et son côté. Pourquoi ses mains et son côté ? C'est d'abord pour qu'ils comprennent qu'il est le même que celui qui est mort crucifié, qui a eu les mains transpercées, le côté transpercé, et vivant au milieu d'eux, premièrement. Et deuxièmement, c'est justement pour leur révéler une fois encore les trésors de sa miséricorde. À travers ses mains et son côté transpercé, c'est l'immense miséricorde du Seigneur qui est manifestée. Alors d'abord, il leur montre ses mains. Les mains de Jésus, évidemment, c'est pas rien. Ce sont les mains créatrices. Ce sont les mains créatrices du Seigneur. Par Jésus, tout a été fait. Donc, les mains créatrices, je vais voir par exemple dans l'Épître aux Hébreux, ce qui est dit des mains de Jésus, à qui l'Épître aux Hébreux applique le psaume 102, Hébreux 1, 10. « C'est toi, Seigneur, qui au commencement a fondé la terre et le ciel est l'ouvrage de tes mains, des mains transpercées qui ont pourtant créé le monde, qui ont créé les cieux. » C'est aussi ces mains de Dieu dont il est question dans l'Ancien Testament pour parler des mains qui nous sauvent. Je prends l'exemple de Exode 13, 14. « Alors demain, quand ton fils te demandera « Que fais-tu là ?», tu lui répondras « C'est par la force de sa main que le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte. » Des mains salvatrices, des mains créatrices, des mains aussi qui nous guident. Ça, c'est le très beau psaume 138.
dans la traduction liturgique, 9 et 10. Je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers, même là ta main me conduit, ta main droite me saisit. Et encore, les mains de Jésus nous éclairent et nous réchauffent. Vous avez cette très belle image dans le livre d'Habacuc, chapitre 3, verset 4. Son éclat est pareil à la lumière, deux rayons sortent de ses mains. Voilà. Quand on contemple les mains du Seigneur, c'est tout ça qui nous est rappelé. Ou encore, bien entendu, ce passage qu'on connaît par cœur, hein, du prophète Isaïe, au chapitre 49, à propos des mains du Seigneur, ça je suis sûr que tout le monde connaît bien, 49, 16, « Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains et j'ai toujours tes remparts devant mes yeux. » Les mains miséricordieuses du Seigneur. Bon, et puis dans le Nouveau Testament, vous avez au chapitre 10 de Saint Jean, « Nul ne les arrachera de ma main. » C'est le lieu de notre repos aussi, les mains du Seigneur. Ça c'était Jean 10, 28. Et puis finalement, Jean 3, 35, qui résume un petit peu tout, quand on contemple, quand on vénère les mains du Seigneur Jésus, « Le Père aime le Fils, il a tout remis dans sa main. » Voilà ce que c'est que de contempler les mains transpercées du Seigneur. Transpercées par amour pour nous, ses mains créatrices, salvatrices, etc. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Voilà pourquoi Jésus leur montre ses mains. Et deuxièmement, il leur montre son côté. Alors, le côté du Seigneur, qui a été transpercé par le soldat, hein, Jean 19, 34, un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Ce côté transpercé de Jésus, d'où sont nés les sacrements qui font vivre l'Église, rappelle évidemment le côté d'Adam, d'où a été créé, à partir duquel a été créé Ève. Genèse 2, 21. Le Seigneur Dieu fit tomber sur Adam un sommeil mystérieux et l'homme s'endormit. Le Seigneur prit un des côtés d'Adam, puis il referma la chair à sa place. Avec le côté qu'il avait pris à l'homme, il façonna une femme et il l'amena vers l'homme. Et tous les pères de l'Église, bien entendu, ont fait le parallèle entre le premier Adam, de son côté est née la femme, et le second Adam, le nouvel Adam, Jésus, de son côté est née l'Église. Et alors là, je voudrais vous lire des très beaux textes de pères de l'Église pour méditer justement sur le côté du Seigneur et sur les plaies du Seigneur. Parce que ce dimanche de la miséricorde, c'est le dimanche des plaies rayonnantes, des plaies lumineuses, des plaies glorieuses du Seigneur. Alors je commence avec saint Augustin. L'Évangile se sert ici d'une expression choisie à dessein. À propos de le côté ouvert. Il ne dit pas « il frappa » ou « il blessa son côté », mais « il ouvrit son côté avec une lance ». Alors j'ouvre une parenthèse, saint Augustin s'appuie sur le latin. En latin, « aperuit », ça veut dire effectivement « ouvrir ». Il ouvrit son côté avec une lance pour nous apprendre qu'il ouvrait ainsi la porte de la vie d'où sont sortis les sacrements de l'Église, sans lesquels on ne peut avoir d'accès à la véritable vie. Et il en sortit aussitôt du sang et de l'eau. Ce sang a été répandu pour la rémission des péchés. Cette eau vient se mêler pour nous au breuvage du salut. Elle est à la fois un bain qui purifie et une boisson rafraîchissante. C'est en vue du même mystère que la première femme fut faite du côté d'Adam pendant son sommeil. Et nous voyons ici le second Adam s'endormir sur la croix après avoir incliné la tête pour qu'une épouse lui fût formée par ce sang et cette eau qui coulèrent de son côté après sa mort. Ô mort, qui devient pour les morts un principe de résurrection et de vie. Quoi de plus pur que ce sang, quoi de plus salutaire que cette blessure. Ça c'est saint Augustin, saint Jean Chrysostome. C'est donc de ce côté ouvert que nos saints mystères tirent leur origine. Lors donc que vous vous approchez de l'autel pour boire ce calice redoutable, approchez dans les mêmes dispositions que si vous deviez appliquer vos lèvres sur le côté même de Jésus-Christ, la source de la miséricorde, la source de tout amour. Voilà, et je termine avec saint Bernard. Pour moi, ce qui me manque par ma faute, je le tire hardiment des entrailles du Seigneur, car la miséricorde y abonde et ses entrailles sont percées d'assez de plaies pour que l'effusion se produise. Ils ont percé ses mains et ses pieds,
d'un coup de lance son côté. Par ces trous béants, je puis goûter le miel de ce roc et l'huile qui coule de la pierre très dure, c'est-à-dire goûter et voir combien le Seigneur est bon. Il formait ses pensées de paix et je ne le savais pas. Qui en effet a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Mais le clou qui pénètre en lui est devenu pour moi une clé qui m'ouvre le mystère de ses desseins. Comment ne pas voir à travers ses ouvertures? Les clous et les plaies crient que vraiment, en la personne du Christ, Dieu se réconcilie le monde. Le fer a transpercé son être et touché son cœur, afin qu'il n'ignore plus comment compatir à mes faiblesses. Le secret de son cœur paraît à nu dans les plaies de son corps. On voit à découvert le grand mystère de sa bonté, cette miséricordieuse tendresse de notre Dieu, soleil levant qui nous a visités d'en haut. Et comment cette tendresse ne serait-elle pas manifeste dans ses plaies? Et on peut dire que quand Thomas a entendu Jésus lui parler, alors quelques versets plus tard, hein, là on est donc Jean 20, 27, hein, où Jésus lui dit « Avance ton doigt, vois mes mains, avance tes mains, mets-la dans mon côté, etc. Sois croyant. » Et Thomas crie « Mon Seigneur et mon Dieu. » C'est-à-dire qu'il reconnaît d'emblée qui est vraiment Jésus, qu'il est Seigneur et Dieu. C'est la première fois au monde que quelqu'un appelle Jésus carrément, directement, mon Dieu. De cette manière, c'est la manière dont on appelle Dieu dans la prière des psaumes. À Jésus est appliquée la prière qui est formulée vers Dieu dans tous les psaumes. Je vous donne un seul exemple. Psaume 30, verset 15. Psaume 30, verset 15. « Moi, je suis sûr de toi, Seigneur, et je dis, tu es mon Dieu. » Sœur Claire, merci.